Dans le monde de la mobilité électrique, les wheelers sont considérés comme particulièrement talentueux. À Strasbourg, une équipe de Belges qui enquête sur les wheelers d'Alsace sont membres d'une unité d'élite appelée Belgium Wheelers. Voici leur histoire. Les Belges sont arrivés, les Parisiens sont arrivés, les Lorrains sont arrivés. Je vous propose de faire un tour d'horizon de l'ensemble des participants. Et ensuite, on démarre la première nocturne, donc la première boucle qui se situera au sud de Strasbourg. Allez, c'est parti. Hello les amis alsaciens, on est trop contents d'être là. Merci de nous accueillir. Alors j'ai entendu qu'apparemment il y a des propositions de défoncer au lit. Moi, je dis ça, j'y rien. Hein. Oh, on va voir les conneries de ce soir, hein. Qu'est-ce que je vais casser, attention. Qui va me défoncer? Qui va te défoncer? C'est une soirée à thème ou... Je suis pas chaud, je suis pas chaud pour ça. Ah ouais, apparemment, ouais. Ouais. Ça va, quand tu peux pas, tout est bien, c'est cool. Hello. Où est-ce qu'on mange? Salut. Hallo, ist wieder schön bei euch zu sein. Ich habe einen deutschen Kollegen noch mitgebracht, den Henrik. Ja, hi, ich bin der Henrik, bin auch dabei. Vielen Dank. Salut à tous. Optez pour la route. C'est pas possible d'oublier qu'ils sont guère debout. Alors qu'on l'a dans la voiture, on l'a adapté. Voilà, oui, j'avais quelque chose à dire. Oui, bonjour, bonsoir. J'adore Strasbourg, merci pour la balade. Bah, il s'est raté, les gens, ils frappent quand même. On va faire une petite balade nocturne avec plein de nouveaux copains. On va s'éclater. Vive les Belgium Wheelers. De l'Allemagne. En France ou en Allemagne? Je sais plus où on est, moi, je suis perdu. Je viens de Belgique, s'il vous plaît, le billet de train, c'est par où? On prend des photos de tout ce qui est beau en Allemagne, avant qu'on retourne en France. Alors, c'est bien l'Allemagne? Franchement, je me trouvais en France, en Alsace. En Alsace, il n'y a pas d'escalier. Ouais, c'est l'Allemagne, c'est comme ça. C'est pas fait pour les wheelers en Allemagne. Et non, mais quand c'est des idées pourries avec des trottoirs, c'est Yannick. Merci Yannick pour cette belle idée. Les monsters donnent de grandes émotions. La preuve, regardez le monsieur, il a pas su se contenir. Comme ça, hein? Un comme ça! Un petit poussin? Un peu roué? Ok, et voilà, nous revoilà maintenant au bout du troisième jour avec l'ami Jekus. Ouais, ça, c'est une fois un bon week-end, hein. Filme-moi ce ciel bleu. Et il pleut pas. Magnifique, c'est ça qui est beau. Christophe, je viens d'Avignon. Et donc, tu es venu parce que tu as vu un événement Facebook comme ça. Exactement. C'est énorme. Non, mais ça, je trouve ça énorme. Bah, merci d'être là. On a aussi des Parisiens. Bonjour, qui es-tu? Joe. De Paris. Non, de l'Essonne. Ouais, l'Essonne. Ça fait mieux de Paris. Pourquoi tu nous casses comme ça, là? C'est les paysans de la capitale, non, c'est non, ça? Non, non, Paris 16e, avenue Victor Hugo, 16e. Pareil, je suis le frère. Paris 16e. Voilà. Salut, Wheeler Diabolique. Salut tout le monde. On est parti. Bon, bah, aujourd'hui, on va dans mon village d'enfance, dans mon coin où j'ai grandi. Say something interesting. Bye. Do you want to have sex with me? Non. Voor de Nederlanders. Wij komen naar Strasbourg om mee te rijden met Dallas Wheelers. Voilà, merci. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, mon nom c'est Michel. Et je suis très ravi d'être ici à Strasbourg avec vous. Et le luxembourgeois, vous les protégez.
Et hop là, guys, c'est roule ma poule. Ils sont pas trop sauvages, les Belges? Non, ça va, ils sont gentils, hein. Allez, c'est une fois. Ouais, juste une fois. Voilà. Ça commence bien? Bien, une belle petite balade. Bien. Regardez, on a le soleil, franchement. Petite Alsace. Allez, c'est bon, ça. Nous voilà à Molsheim, avec les 25 participants, direction le Cheval Blanc, petit restaurant gastronomique local. Bon, salut, c'est Adrien, des Villers d'Alsace. Bon, moi, je vais aller bosser avec le préfet et la police municipale. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Oui. Avec l'alcool, il doit pas baguer. Alcool, alcool, tout. Mike, alcool. Voilà, chef du Cheval Blanc, vous êtes les bienvenus à manger au Cheval Blanc, c'est un endroit sympa. Vous êtes toujours bien servi et vous repartirez toujours avec le sourire. Et c'est Wheeler Friendly. C'est des brûlants. Hop là, guys, ça roule ma poule. Ah, maintenant, je voudrais bien savoir pourquoi vous les Chinois vous faites comme ça. Bah oui, quoi. Pas ça, comme moi, vous. Je suis pas chinois. Il y a une signification pour ça. En fait, les tailles ou les là ou ce que tu veux, on fait comme ça. C'est comme un, ça représente un bouquet de fleurs en fait. Ah bah ouais, c'est comme vrai. Un truc de lotus, ouais, tu vois. Enfin, ah, genre, c'est pour toi. C'était toi qui m'as demandé un dicton ce matin? Ouais. Ouais, j'en ai un. C'était quoi ton dicton que tu m'avais sorti? Non, j'en ai un. Non, en fait, dans ma culture, on dit il vaut mieux avoir une poignée de merde dans la main qu'avoir une poignée de paix, tu vois. Pour moi, t'as quelque chose. Écoutez, là, on va à la boulangerie, je vais acheter une pâtisserie. Donc... Allez, allons-y. Allons-y, let's go, les amis. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? On vient goûter à la spécialité du coup, hein. Le je sais pas quoi là, Skourov. Le quoi? Skourov. Joe. Qu'est-ce que t'as acheté là? Alors, ça m'a allé à la boulangerie locale. Ouais. J'avais pris un Google. Un Google. C'est une brioche. J'ai pris une mamelle. Une mamelle. Ouais, c'est ça. Une mamelle là. Mamelle la dure. Donc c'est un gâteau de la Saint-Patrick. Si tu sais pas c'est quoi, regarde sur Google. Alors nous sommes actuellement dans le restaurant Le Foch qui se trouve à Lingolstadt.
Et aujourd'hui, nous avons parmi nous un compétiteur qui a décidé de prendre une tarte flambée à volonté. On va voir avec lui combien de tartes il estime être capable d'ingurgiter. Allez, c'est maintenant. Das ist aus unser Land, das ist mein Eichin. Wir heben sich kompatel und los geht gut. Tu es capable de. Là, tu estimes à combien de flammekuches que tu serais capable? Je ne les ai pas vus, mais je vais te battre 4. 4? Ouais, minimum. 4. Je pense qu'il est capable de manger plus de 4 flammekuches. Ouais, c'est costaud alors. C'est un, ouais, une ennemie, hein, généralement. Alors, on commence avec laquelle, monsieur? Ouais, la... Comment tu la trouves? Eh ben, elle coûte très chaude. Mais très bonne. C'est dommage qu'elle est vraiment chaude parce que moi je mange très très vite, tu vois, et je l'aurais fini je pense en moins d'une minute. D'accord. Je te dis, je vais finir ton record là. C'est ta deuxième flammekuche là, c'est ouais, ça? Je me sens très bien pour continuer. Donc c'est parti pour établir le record. Bah écoute, on va essayer. C'est combien le record? 4. En qui la troisième flammekuche? Ça va, franchement ça va, je peux continuer tranquillement. C'est dommage, c'est clair, net et précis, je vais réussir. C'est du pâté ou... Ah, il y a trop de crème fraîche, donc du coup... je mets un peu de partout. Nous sommes actuellement à la troisième flamme. Oh. J'ai laissé de la place sur ce côté-là. Maman est contente, ça c'est une bonne bouchée. Nous sommes actuellement à la quatrième flamme. Comment tu sens? Je me sens plutôt bien pour le quatrième round. Écoute, je sens vachement le rock fort là, il est très très fort, très présent. Mais c'est pas grave, je vais l'enfiler, je vais tout manger. Comme ça, voilà. Je mange le bout de bois aussi. C'est dégoûtant. Je pense qu'il a jamais... Joyeux anniversaire. Le blague parfait. Ça va. Ça va. Je remarque un point, c'est que l'épaisseur de la flamme cache a légèrement augmenté. Hein. Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir qu'il y a une 2-3 couches de crème fraîche là. Arrête de gagner du temps. Vous voulez que je vomisse? Bah oui. Bah oui, où est le problème? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte la pizza! Voilà, la flamme cache, pardon. Allez, je peux le faire! Non, mais laisse vert tout de même! C'est bizarre, ça s'approche de sa bouche et puis ça fait tout. Ça va pas rentrer. C'est bon, c'est sûr. Là, t'es pas bien là. Mes assistants, s'il vous plaît. Je lui demande direct pour la sixième ou on attend un petit peu? C'est de la faire au Nutella la dernière. Ah bon? Bah, j'ai l'impression mon moi d'intérieur ne veut plus les femmes et pêche. Mais t'as la volonté, l'esprit est plus fort que la matière. Ça passe encore, sans déconner? Ça passe, mais c'est vrai que la crème pêche est légèrement consistante. On va changer de méthodologie. Hein. Voilà. Alors. Voilà. Mais j'ai même pas fini ce que j'ai dans la bouche! C'est pas grave. Allez, on ouvre la bouche. Voilà, c'est bien. Voilà. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Avale, avale. Tu dois arrêter de mettre là, tu avales. C'est la crème fraîche. C'est pas grave. Elle me dit non, je veux pas descendre, je veux rester là. Mais non, non, il faut. Tu sais comment on avale encore? Oui. Du cinéma. Ah, il y a un cinéma ici. Ouais, on y va. Y a... Allez, on ouvre la bouche. On ouvre la bouche. Tchou, tchou. Par contre, si tu vomis, on peut plus revenir ici. Elle est énorme, putain. Regardez. Voilà, donc c'était vraiment immangeable, mais vraiment. Ça c'est la femme ça, un échec direct. Je voudrais dire un message à tout le monde s'il vous plaît.
Donc ça a été il a peur de organisé ça. Il par a peur les dealers d'Alsace, donc je... la flamme coche. Ce mec dit que c'est un mec, il a peur de ça. Je n'ai jamais mangé de flamme coche. Et grâce à Yannick, j'ai mangé de la flamme coche. Cependant, maintenant, de quoi il a peur. Maintenant, de quoi il a peur. Je ne mangerai plus jamais de ma vie de flamme coche. Merci à tous, c'était super. J'ai passé 3 jours avec vous, c'était vraiment formidable. De Metz jusqu'à ici. Donc voilà, merci à tous pour cette bonne humeur. Et merci au Wheeler d'Alsace d'avoir organisé cet événement. C'était super. Donc merci à toute l'équipe. Et je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles aventures, direction. Y'a de l'ambiance ou quoi? Ouais! Y'a de l'ambiance ou quoi? Ouais! C'est de la torture, arrête! Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ça? Quelle misère! Quelle misère!